après participation dans 79e sommet Nations Unies, yon participation qui selon un pile moun représente yon participation historique selon ça tout moun fait connaître Edgar Leblanc. Monsieur retourné dans le pays dimanche 29 septembre 2024 là ou mettre te connecté ensemble avec nous parce que tellement gen causé qui dit pendant monsieur retourné dans le pays là monsieur profite le faire bilan participation et madame monsieur Gary Kony pose yon action en joie ou mettre te là nous pral poser des détails au bas ou là nous pral expliquer ou pral comprendre exactement qui ça qui t'est passé dans Nations Unies et qui ça qui passait exactement pendant Edgar Leblanc tourné là Gary Kony. Monsieur pose une action en pile moun saisi pour mettre de là, mesdames, messieurs. Nous allons porter des détails au bas. Pour Bibiti, 60 parlementaires américains ont écrit Joe Biden. On lettre sans douce. Et dans lettre, ils ont rappelé Joe Biden obligation li gagner pour le freiner sous âme qui a sorti aux États-Unis, qui a rentré là en Haïti. 60 parlementaires pour PPT, yo dit Joe Biden, oui, ou vle bay aide dans pays ya, oui, ou vle pote support bar Haïti, mais pas blie. Sous amnan, c'est la kay nous sorti, pi gwo service ou ka bay Haïti, pi gwo bourad ou ka bay Haïti, c'est fait en sorte que sous la ou ferme ni. Rete connecté ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Nous pouvons dire plus, nous pouvons pote plus de détails ba ou. Si ou l'ouest la pa kangrené, si gang pa manje nous dans l'ouest la, si bandit pas assassiné nous dans l'ouest là, son grand monde qui responsable, c'est présence monde ça qui fait gang yo pas fini ensemble avec nous dans département l'ouest là. Nèg ça les Pierre Espérance. Aïe aïe aïe. Et pas Esgras qui dit non. Sénateur Don Kato. Nèg poupoua. Monsieur fait connaître, c'est grâce avec Pierre Espérance qui fait gang yo pas fini ensemble avec nous dans département l'ouest là. Adieu. Ça veut dire l'ouest là pas pourri, ça veut dire l'ouest là pas gang, ça veut dire pas gen bandi vrai dans l'ouest là, ça veut dire bandi yo pas prendre l'ouest là en otage vraiment, contrairement à ça en pile moun a dit. Mais moun qui la cause, moun qui cause mesdames messieurs, ou bien moun qui fait bandi yo pas prendre l'ouest là, li rele Pierre Espérance selon Don Kato, ou mettre te connecté ensemble avec nous là, nous pral porter détail ba ou mesdames messieurs, nous pral porter tout détail ba ou là, pral connait exactement comment situation est. En pile préparatif en fait côté n'a parlé là pour rentrer des classes là, jodi à 7h30, c'est dernier jour dans mois septembre là et pas oublier demain premier, c'est date ça gouvernement l'état haïtien prend pour réouverture des classes dans pays là. Est-ce que réouverture des classes la fait de manière correcte parce que annonce la fait dans tout pays là, toute l'école capable ouvrir à partir de demain, gouvernement font pile préparation et qui te nous dit, ministre justice et sécurité publique, là, on a parlé de Carlos Hercule, l'Itechita ensemble avec ministre éducation, on a parlé de Antoine Augustin, gan pile causé qui parlait, gan pile disposition qui prend, mesdames, messieurs, pour capable de mettre sécurité dans tout pays, pour si vous êtes capable d'aller à l'école correctement, si nous quoi responsable ça, qui te dit, tête à tête, on a parlé de Carlos Hercule ensemble avec ministre éducation. Bon, quand on parle, qui te nous dit, la Guinée se dit être prête pour envoyer 650 policiers et gendarmerie en Haïti. Ah, et gros cause. Kenya dit n'a voye 1000, mais qui te nous dit ou? Kenya dit nous, c'est à partir de janvier 2025, la voye tout reste contingent, tout reste policier, ou pral déployer en Haïti. À partir, mesdames, messieurs, du commencement de l'année 2025, donc en janvier, tout soldat, tout policier kenyan yo, qui t'a dû venir là en Haïti, y a bien pour venir. Et Guinée, li dit, li prêt pour voir 650 policiers et gendarmerie en Haïti, pour capable continuer, mesdames, messieurs, faire un faisceau pour que force multinationale soit capable de gagner. Yon ensemble de pays qui constituent li, pour être capable plus efficace selon toute information yo. Quand des moun qui t'a parlé, qui t'a dit, Muscadin c'est un innocent tout hier nous songe grand pile monde sur réseau a qui t'a reproché critiquer Jean-Ernest Muscadin après t'ai fin pété fiel mauvais lait un mec qui t'a nous dit mesdames messieurs information confirmée mauvais lait pas un bon monde vrai mauvais lait son mauvais grain litéré gè deux nèg yo arrêté et nèg ça yo t'ai dans même réseau ensemble avec mauvais lait m'va le faut tendre yo m'va le faut ouais exactement mesdames messieurs comment Muscadin lui-même mais cou ça le fait son gros coup t'ai fait. Eh bien, mesdames, messieurs, Muscadin, il pas de passer à côté vrai. Dominicains ont manifesté vendredi 27 septembre 2024 là, dans Santo Domingo, donc dans la capitale République Dominicaine,
pour yon capable demander avec gouvernement, pour demander président, pour retirer Haïtien qui a vivé en République Dominicaine. Donc, pour président, li procéder avec une sorte de déportation massive des Haïtiens parce qu'ils n'ont pas digéré présence haïtienne dans la République Dominicaine. Quitte à nous dire en passant, Luis Abinadel, nous se fait nommer un nouveau chef dans la tête direction immigration en République Dominicaine. Ou pour aller plus de détails, mesdames, messieurs, en dans l'émission ça. Caleb Jean-Baptiste, monsieur reproché et critiqué également, Edgar Leblanc, monsieur parti à bord Edgar Leblanc, ensemble avec Gary Conille, li di moun sa ou trahi nation, et discours qui te présenté ya, le nou te wè Edgar Leblanc tap bwè de loa, monsieur dit Jean-Jacques Dessalines qui tap cassé pour Edgar Leblanc, qui tap tout fait Edgar Leblanc, et c'est ça que fait, nous wè, monsieur, li te à court de parole pendant le te sous podium, Nations Unies. Pour ça, qu'en pile les autres, mesdames, messieurs, nous allons développer pour vous parce que Dominique Dupuy, il y a plus précision, il y a des précisions sur ce qui a passé là, sur ce qui a passé, mais sur ça, nous sommes capables de brûler incidence diplomatique qui est arrivée côté Leslie Voltaire, monsieur, il était interdit pour te rentrer dans une réunion pour t'aller participer. Et pendant ce temps, Edgar Leblanc, tu es rentré à Washington ou bien à New York, lui-même, tout le temps, il y a des difficultés pour te rentrer. Donc, restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs, nous allons porter plus précision pour vous, nous allons faire connaître exactement, mais comment, situation les mêmes l'était présenté. Salut à tout le monde, comment nous sommes content d'entrer la caille nous. Jodi à c'est lundi 30 septembre 2024. N'ap salue tout le monde qui fait un mois de septembre et qui pral rentrer en octobre, monde qui fait en octobre également. N'ap déjà souhaité yo un heureux anniversaire. Eh ben nous content mesdames messieurs, nous pral frapper. Merci en pile parce que ou gite like, merci parce que ou gite commenté et merci parce que ou gite partagé. Nous pral repartager parce qu'on est exercice là li par l'autre mesdames messieurs. C'est ensemble pour nous marrer saucisse en nous pour nous capable continuer faire la route, pour nous capable porter information ba ou en dedans la caillou. Mais actualité à mesdames messieurs, nous rivé la caillou. En pile partisans et sympathisants, il y a plusieurs dizaines qui t'al recevoir Edgar Leblanc dans aéroport international Toussaint Louverture. Mwen nan pile fanatique, mwen nan pa d'accord parce que tout c'est l'ouverture pas de faire aéroport. Donc aéroport là, il était doué relé aéroport François Duvalier et c'est exactement comme ça le relé, n'est pas oublié non, il était changé non. Qui t'a nous dit ou après participation que en pile moun considéré qui était historique après participation dans 79e sommet qui t'a fait aux États-Unis dans l'ONU, ben Edgar Leblanc monsieur rentré dans pays là. Et là monsieur arrivé dans pays là, monsieur continue avec même discours nous songe il était gagné sous podium Nations Unies. Yon discours qui était salué par un paquet et des millions d'Haïtiens qui vivent à travers le monde et si là également qui vivent en Haïti, mais aussi dans l'international, un paquet d'autres nations qui saluent discours ça. Mais Edgar Leblanc se retourne dans le pays. De retour au pays, mesdames, messieurs, Edgar Leblanc, il y a un paquet de gens qui sont venus rencontrer. Parmi les gens qui sont venus rencontrer, il y a Gary Conille. Gary Conille, qui est premier ministre haïtien. Gary Conille, ces derniers jours, il y a pile critique qui a lancé à l'encontre de lui-même. Côté au fait qu'on est, monsieur mélangé ensemble avec plusieurs ministres en gouvernement pour yon bay Edgar Leblanc coup d'état pour que c'est lui-même qui passe comme chef, comme souverain dans le pays. Ben, mesdames, messieurs, qui te nous dit, Gary Conille, monsieur, ensemble avec Dominique Dupuy et quelques autres ministres, yon a rencontré Edgar Leblanc. Et quand pile moun qui croit, action ça, monsieur posé, c'est un exemple pour le montrer, pas aucune animosité qui existe vraiment entre lui-même ensemble avec Edgar Leblanc. Contrairement à ça, tout le monde a dit. Parce que selon un pile moun, gon animosité qui existe entre moun sa ou là. Côté Edgar Leblanc, Gary Conille pas là. Côté Gary Conille, Edgar Leblanc pas là. Eh bien, mesdames, messieurs, présence Gary Conille dans l'aéroport là, il était représenté synergie qui gagnait entre deux entités sa yo. Parce que pas oublier, nous gon exécutif censé à bicéphale. Ce exécutif bicéphale nous gagnait. Donc, côté mesdames, messieurs, il gagnait yon premier ministre. Ak yo président, nous allons vite suivre comment ça te dans aéroport là côté Edgar Leblanc. Monsieur continue avec même discours. Mais monsieur dit également, il faut qu'il y ait de la continuité. Et selon un pile monde, c'est pas la première fois n'a fait genre de discours ça yo, mais pas j'aime bien suivi. Moi même mon rete quoi après discours Edgar Leblanc. Youn nan bagay que tout haïtien ta doit faire. Nous ta doit ap écrire des pétitions. A écrit un seul de grands ambassades à travers le monde. Mande yo, backup, mande yo, renfort, aidez-nous dans la bataille ça pour que finalement nous venions une force pour demander la France payer nous l'argent. Même si nous contradictions haïtiens déjà, l'argent qui doit venir manger lui, ou comme ça, l'argent qui doit venir haïtien manger lui. Mais faut que nous jouions comme là.
Et Carlo Blanc, c'est le deuxième président d'Haïti qui osait demander l'argent ça. 2025, pour faire exactement 200 ans. Depuis la France, c'était cassé pour y être nous. Depuis la France, c'était râlé pour y sous nous. Depuis le terrain, les âmes sous nous. Depuis le braqué nous. Il te prend l'argent ça dans nous. Mais qui te nous dit où? Dans le même sens là. Et pas seulement la France qui te cassé pour y être nous. Faut que nous comme ça. Nous en 1914, les États-Unis viennent là. Ils ont pris environ 17 tonnes de l'or nous te gagné dans le BRH. Faut rappeler nous ça tout. Ok? Yo pour quantité l'or nous te gen là dans BRH yo ensemble avec lui. Ça veut dire la France doit nous, États-Unis doit nous, go paquet l'autre nation, go paquet l'autre pays, yo doit nous. Yo gon dette envers nous et pas seulement dette morale parce que me souje sous Joseph Michel Martelly, ti Simone. François Hollande devine là en Haïti. C'est monsieur qui était président à cette époque. Le François Hollande vient là dans discours te présenté, il dit li plus quoi la France doit Haïti. Les plus que la France a une dette morale envers Haïti, mais la France pas gon l'argent vrai pour le bail Haïti. Joseph Michel Martelly, imbécile, idiot, crétin qu'il est. Monsieur était accepté avec déclaration ça François Hollande fait. Et la France te dit, une non façon pour utiliser pour payer dette ça, c'est dans éducation. Yo va investir dans éducation en Haïti de manière à ce que pour payer dette là pendant ce temps, yo te fait nous payer l'argent, nous te redivende nous pour nous débailler l'argent ça. L'agence a contribué dans la construction de Tour Eiffel ou qui est là en France. Regardez nous même un petit tour nous avons construit là, qui t'a pris le tour 2004 que Jean-Bertrand Aristide t'a construit. Il n'a pas qu'à fini. Et c'est même la France ça, qui mettait ensemble avec conseil de malandré. Ils ont écrasé la bataille de l'indépendance, nous bien. Ils ont écrasé 200 ans, célébration 200 ans d'indépendance, nous. Ils ont goûté contre Jean-Bertrand Aristide, ils ont voué l'aller. Et qui problème exactement n'a yote gen avec Jean-Bertrand Aristide? Personne ne va pas dire. Yo pral di oui, c'est chimère, c'est bandit, Jean-Bertrand Aristide a armé un série de moun, etc. Mais en entend nous. Est-ce que le plus mal que ça a fait jodi a la? Yo comprenez? Est-ce que le plus mal? Donc problème n'est pas avec Jean-Bertrand Aristide, l'ité est vrai. Mais ou bien problème non, c'est pas parce que Aristide a armé un série de jeunes. Mais c'est plutôt, mesdames, messieurs, parce que Jean-Bertrand Aristide a une ligne, l'ité prend. Parce qu'elle t'a demandé, faut que la France paye nous l'argent indépendance, nous, l'argent dette indépendance qu'elle t'a demandé, nous, dette reconnaissance qu'elle t'a demandé. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est une raison qui la cause, n'est-ce que tu dis, si n'est-ce que ça faut que nous voyons l'aller. Et c'est maintenant, même ligne ça, où tu as assassiné Jovenel Moïse, parce que y a une bataille pour nous mener en faveur Haïti, ou obligé de mourir, ou bien yobon, ou bien yobon coup d'état. C'est exactement ça, n'est-ce que tu as comme plan. Et y a besoin de mon dans le pays, là, cap aider à exécuter plan ça. C'est bagaille qui dérangeant. L'or est propre haïtien à contribuer dans la destruction Haïti. Mais Edgar Leblanc, monsieur, te retourné dans le pays. Et dans le discours, monsieur, te fait songer. Je m'appelle appeler ça dans le discours, monsieur, te fait. Il dit l'argent n'a demandé, pas parce que nous mendions. Mais c'est l'argent qui doit nous, c'est injustice qui te fait nous. Parce que ça n'a pas existé pour un pays prendre indépendance. Et bien, qu'on est là pour dire, pour reconnaître l'indépendance, il faut que vous payiez. Ça n'existe pas. Monsieur, c'est sont des injustices. C'est injustice ou te fait nous. Donc c'est ça n'a demandé et pas qu'mandé et pas traîner n'a traîner dans pio. Pas parce que c'est remé nous remé à visiter l'autre pays vrai. Pas parce que c'est remé nous remé à chita dans l'autre pays vrai. Mais c'est parce que situation nous difficile. Et si situation nous difficile, c'est peut-être ou même qui la gagne nous dans ça là. Monsieur retourner dans pays mesdames messieurs, moi il faut attendre et un peu ou bien bout dans discours Edgar Leblanc te gagné pendant l'été dans aéroport international. Tout c'est l'ouverture dimanche 29 septembre 2024 là, qui était accompagné de Gary Conille et plusieurs autres ministres de gouvernement Gary Conille. T'es gagné également le directeur général de la PNH lui-même d'où qui était là. Nous invitons à suivre, mesdames, messieurs, comment ça t'es. Qui t'es nous dit, yo t'es recevoir Edgar Leblanc en bon président. Ok? Accueil yo t'es by Edgar Leblanc, c'est accueil yon président et lui recevoir. En suivant ensemble, comment ça t'es. Avec le président de la République, son excellence, M. Edgar Leblanc-Fils. Je vous prie de bien vouloir mettre vos téléphones sur silence pour que vous puissiez l'entendre mieux. Merci. Bonjour et à travers la presse et à tout peuple haïtien que m'a salué dans le retour moins matin après participation à la 79e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. La mission délégation haïtienne
composé de présidents, de premiers ministres et des ministres, mais aussi de techniciens chargés de participer efficacement, pleinement à l'Assemblée générale. Le cadre ça, en plus de prestations, interventions à l'Assemblée générale, nous avons gagné des réunions importantes. Aux premières réunions, co-présidé avec le secrétaire d'État américain Blinken, avec des amis d'Haïti sur la question du renouvellement du mandat de la mission de soutien à la sécurité. Nous avons gagné là en pile échange et gagné une grosse mobilisation qui fait de bon côté pays américains pour contribuer dans le cadre financement mission, mais également préparer à comment appuyer au changement de statut de mission, mission de soutien à la paix en mission d'opération de maintien de paix. Dans le cas de ça, par exemple, demain, lundi, dans les Nations Unies, le Conseil de sécurité, eh bien, pour gagner proposition, résolution sur changement qu'a fait dans le statut. Et peut-être demain, nous avons voté, mais si on pas arrivé à joindre bon consensus, il y a allé jusqu'à mardi. Et nous croyons que a gagné un consensus qui joigne dans ce sens-là. Nous avons gagné une autre réunion très importante. Son réunion, forum sur investissement. Car la mission que nous gagnons dans la transition, rétablir sécurité, organiser bonne élection pour faire passation au pouvoir dans 7 février 2026, nous gagnons tout pour nous relancer l'économie, pour nous mettre les pays au travail. Et dans le cadre de ça, le gouvernement a préparé un forum sur investissement avec en participant en pile investisseurs haïtiens, mais aussi en pile investisseurs étrangers et aussi la Banque mondiale et autres pour garantir. Malgré Jean Payant, il y a en pile monde qui est prêt, qui est déterminé à Jean nous-mêmes nous confiant, à quoi la confiance à qu'une gagne que va pour changer pour venir pour investir. C'était une réunion qui était bien préparée et qui bien réussie et nous croyons que pour gagner un suivi rapide qui pour le faire sur ça. Nous avons gagné une autre réunion importante, c'est une réunion avec je dirais staff du département d'État avec le secrétaire d'État adjoint monsieur John Bass accompagné de Brian Nichols et l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, Madame Simpson. Réunion ça, c'est une réunion particulièrement pour te garder situation, mais particulièrement sur le plan sécuritaire, et garder comment donc effort qui a fait là-haut, capable de consolider pour que pour nous arriver effectivement à établir sécurité et faire que transition réussisse. Et tu as quelques autres réunions, on t'a dit en bilatéral parallèle, mais ça aussi c'était au même qui était particulièrement plus important. Aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, lorsque nous portons la parole, nous avons pensé à deux bagailles. Premièrement, à faire le monde entier connaît que nous dans une situation difficile, solidarité est importante pour nous sortir la donne. Cependant, nous déterminer, nous prêts à faire ça, nous devons faire nous-mêmes avec propre force par nous, pendant qu'on a commencé par mettre nous ensemble. Nous avons gardé devant ensemble et avec confiance que nous avons baillé la population, la mettre les leaders, autorités pour que nous capables fait ça capable de résolution problème sécurité. Comme nous connaissons que nous pas privés pour compte nous, nous demandons solidarité. Son solidarité dans la dignité, son solidarité dans le respect. Et là, tout, nous avons donc parlé de insuffisance que nous avons en termes financiers. Je dis, par exemple, mission qu'il a, mission pas capable de déployer vraiment parce que promesse de financement qui est faite environ 600 millions de dollars l'an, n'est pas arrivé à joindre. Les Américains s'y ont contribué le plus, à raison de près de 2 à 300 millions de dollars. Et il y a une difficulté, c'est ça qui a changé, a essayé tout, changer statut. Mais nous connaissons que si, dans le changement qui peut le faire, nous arrivons à consolider l'institution panneau de sécurité nationale, forces armées d'Haïti, police nationale, avec tout équipement que nous devons gagner, désormais, nous avons entré dans un cycle de stabilité, de fonctionnement régulier, souverainement, pour ne pas besoin en quelle mission retourner là encore. C'est vrai, dans le passé, nous avons dit plusieurs soufflets dans ce sens-là, parce que ce n'est pas toujours avec, nous avons dit, toutes nous-mêmes que nous acceptons et appuyons ça. Mais nous avons une mauvaise situation et très souvent, il faut nous connaître les situations, c'est nous qui mettons tête nous la donner parce que nous mal nous comportons envers le pays. Et quand nous avons une responsabilité, nous ne pas prendre pleinement Jean-Tadou Plan avec tout ça, ça supposé comme charge envers le pays. Alors,
Dans ce sens, ça, nous t'ai parlé tout de nous pas toujours comme ça. Nous t'es grand ou là. Et nous t'ai connu dès là, nous t'es grand. Parce que nous sommes généreux en tant que peuple. Et dans ce sens, ça, nous t'ai dit que gagnons des dettes morales, des dettes historiques qui gagnent pour payer et que nous croyons que le moment aujourd'hui, il est arrivé pour que les poser en thème clair, franc, avec nos partenaires, avec nos amis, pour que d'être ça, dans un cadre institutionnel, formel, le capable de commencer à restituer et qui a permis nous consolider le travail qu'on a fait là. Je remercie en pile tout le peuple haïtien qui t'a dit à répondre à ce cri, à cet appel, en disant que je crois que après parole ça yo pral gen ak et pour ak la yo même yo prêt pour que ensemble avec autorité yo pour que pour nous travailler ensemble consolider et mettre la paix dans pays hein, assurer sécurité et la m'a dit à tout bandit tout nèg qui armé comprendre ça qui a passé comprendre Jean peuple a besoin pour le prendre un souffle pour le sortir déposer les armes nous autorité dans pays hein, n'a fait tout pour que sécurité rétablie dans pays hein, tout vraiment tout. Nous avons cherché solidarité pour nous mettre avec propre force par nous, pour nous résoudre. Li. Mais nous demandons, parce que nous reconnaissons quand même, c'est des Haïtiens qui sont dans mauvaise route, rentrer dans la bonne route, déposer les armes. Je dis là, je campé, merci parce que le temps n'est plus à la parole. Nous sommes prêts pour nous commencer le travail aujourd'hui en tout bon, malgré faible difficulté, malgré toute difficulté qu'il gagne, et des opérations qu'il a faites sur le plan de sécurité, par exemple. Dans le port, mon wafla, pour sécuriser, car nous menacer là pour que agent de sécurité ne pas garanti rentrer bateau et pour bateau pas venir. Et que le travail qu'a fait rapidement là, m'a félicité responsable là, mais m'a félicité responsable la police pour le travail qu'a fait là. N'a travaillé sous plan ça, même j'ai été faire autour de l'aéroport là et pour nous rouvrir route bien vite pour toute population rentrer commencer travail. M'a dit nous merci, merci en pile. Voilà, mesdames, messieurs, vous attendez et intervention Edgar Leblanc, le président d'Haïti, ou bien le coordonnateur du conseil présidentiel, Edgar Leblanc, souhaitait faire intervention ça, dans le moment où il est rentré dans le pays, hier dimanche, là, dimanche 29, là, monsieur est rentré et monsieur a fait bilan de participation dans le sommet. Il y a un pile de monde qui mal ouais discours monsieur était fait, il y a un pile de monde qui yo une approche pas. Mais nous entendons sous ça déjà et pendant fin semaine là nous fait plusieurs émissions comme ça côté nous même nous bay position nous à clair sous discours monsieur de faire mais kounya là n'a pas suivi yo et il y a pas que la France les États-Unis yo gen environ 17 tonnes d'or nan mais yo te prend yo te rentré dans BRH tout world up li te son kidnapping li te son vol li te États-Unis te fait faut que remettre nous li tout. OK. Donc toute nation qui doit payer et puis on commencer vos étiquettes d'être là-bas nous tirer l'argent doit nous en bon nous parce que nous avons besoin ouais une force multinationale qui vient là pour aider nous pour nous sortir dans situation là il y a plein et pas gain l'argent pendant ce temps nous gain l'argent nous dans main yo et faut nous éviter ça avec question ces blancs qui a plein d'aider nous tout temps bon on imagine si la France a été dit pour toute aide liban nous déjà, pour toute support ban nous déjà, donc sous base ça, li pap d'accord payer nous dette là, donc li capable arranger comme si toute dette liban nous déjà, li accumulé pour dire que bon OK tout prêter nous l'argent déjà ou bien tout ça ban nous déjà, tout ça faire nous cadeau, li t'a dit bon OK la additionner tout pour voir est-ce qu'elle pas privé dans date et dans dette en dette indépendance que elle gagne pour nous. Bon si il t'a camper dit ça comme ça, ça n'a fait. Donc faut nous arriver nous moment pour nous dire nous grand monde tête nous songer en 2010 après tremblement de terre par nous t'es gagné président de Chili à Michel Bachelet à cette époque il était président de Chili il était venu là en Haïti Michel Bachelet n'a quitté Haïti non pendant Michel Bachelet en Haïti go tremblement de terre qui passait la caille du tout pendant l'entrée en Haïti vienne porter solidarité ban nous go tremblement de terre qui passait la caille au Chili Michel Bachelet. Là, on pas quel pays décide de débarquer Chili ou pas le bail. Et lui dit, comme là. Michel Bachelet dit, comme là. Non nécessité, c'est vrai. Mais c'est moi-même qui a dit nous qui l'a pour nous venir. Parce que moi, j'ai réserve la caille. Moi, j'ai moyen pour me résoudre ça qui là. T'as bien, le peuple. Pays a subi de l'eau de terre. M'kwe pas là, t'es 9 points combien. Même t'es dans 7 points. M'kwe pas Chili entre 8 ou 9. Michel Bachelet dit, comme là.
Pourquoi besoin de support international? Parce que c'est qui là, l'État pays qui ressources assez, nous gagnons assez pour supporter ça. Et certainement, mesdames, messieurs, Michel Bachelet, il t'a fait toute ça le capable. Et après, il dit, bon, ok, nous mettons vini, kounia, nous ka vini, parce que nous avons besoin dans tel ou tel domaine. Mais nous-mêmes, de A à Z, c'est blanc, c'est de A à Z, c'est mais nous avons plongé, c'est ban nous pour yon ban nous, de A à Z, c'est pas pour tout bagay ban nous, nous pas gagner nous ka fait qui bon. Faut que nous suspendons avec cause ça, son aide tout temps. Et Gare le Blanc te signale ça. Gary Koni qu'on dit ça tout. Cette idée, à chaque fois que nous voulons dans le pays, faut que nous force multinationale, faut que nous aide, faut que nous Nations Unies, faut que nous essayons de pays qui pour là pour venir aider nous, etc. Nous faut que nous arrivions au moment pour nous finir avec pratique ça. Faut que nous grand monde tête nous, même je chaque pays au grand monde nakayo. Il n'y a pas besoin de support l'autre pays pour être capable de sortir dans la situation. Et mais faut que nous arrivions au moment pour que nous même tout. Nous en mesure pour nous gérer ça. Yo. Donc, mesdames, messieurs, nous espérons le Haïti a grand monde tête li, li pas entièrement dépend de un seul de pays. OK? Si nous voyons département l'ouest là, li pas livré aux bandits. Bandit pas pillé, bandit pas fini ensemble avec lui, c'est grâce à Pierre Espérance. Hachewo! Nous avons pensé Esdras dans rêve nous, ben nous connons au grand jamais moins Esdras m'a bien une position pareille hein à l'égard de Pierre Espérance parce que je connais le type. Mais mes déclarations ça, parole ça, mesdames, messieurs, c'est Don Kato qui fait le sénateur Poupoua. Sénateur Poupoua, quand elle dit, l'Ouest là te ka livré au bandit. Bandit te ka tout busy, nous bandit te ka fin ensemble avec nous dans l'Ouest là, si pas de Pierre Espérance. Elle dit, malgré tout ça, elle là. Malgré Fednel, mon chéri, qu'on dit nous, Pierre Espérance participe, non mette gang dans le pays, elle ge propre gang, malgré le gang 4x4. Don Kato dit, mesdames, messieurs, si ce n'est pas Pierre Espérance, bandit a fui ensemble avec nous. Entre assassins, ils s'entendent. Vous comprenez-moi? T'as dit, ils ont toujours dit, oiseaux même plus majorité, même côté. Ils ont entendu sous ça. Donc, mesdames, messieurs, comment je dis là, pour nous saper, ça y est là? Pour nous dire que ce n'est pas Pierre Espérance, c'est grâce avec Pierre Espérance. Qui fait pays à pas plonger plus pendant moi ensemble avec vous nous on qui est à pays ça est pendant moi ensemble avec vous mesdames messieurs nous ouais comment bandi mettez pays à tête en bas dans l'ouest là eh ben nous tout nous connaissons en Haïti c'est voleur qui courir voleur c'est à tout faire qui courir à tout faire c'est gang qui courir gang eh ben Don Kato montrer nous il c'est un gang et la courir Pierre Espérance nous invite autant intervention Don Kato nous pas à cracher sous travail Pierre à tout. Travail Pierre, c'est lui qui fait nous-mêmes qu'à vivre dans l'Ouest là, nous-mêmes. Mais vous connaissez Pierre là, la veille. Est-ce que nous donnez? Mais vous connaissez Pierre là, la veille dans l'Ouest là. Ah, il n'y a pas qu'à monter sur lui. Il n'y a pas qu'à. Si vous êtes facile, si vous êtes facile, vous avez monté sur lui. Vous avez monté sur lui déjà. Ça veut dire, ce n'est pas tout bagaille nous tendez. Moi-même, vous connaissez ça que ça me courage pour me dire. C'est parce que une victime quand un rapport dans sanction c'est parce que Pierre t'est qu'on dénoncé yo. Gen pile nan qui dit sinon quand un sanction c'est parce que Pierre t'est qu'on dénoncé des ordres a fait et puis nèg yo font campagne pour profiter de c'est donc comme kadou on nous dit merci. Ou ta gen merci là tout monde remet merci tout monde dit ah merci a bien joué. Puis bon Jean pour détruire mon nous pas remet. C'est mettre la face merci. Ouais, tout le monde dit, hey, dit non. Eh, hey, mes amis, nous ne pouvons pas me remercier. Et pourtant, les gars, même ce travail, il a fait. Ce travail, il a fait. Oh, petit garçon, machine, ça prend déjà m'dou. Mais, comment pour on. Regardez, dernier bagage, il a fait du Pierre Bandé pour le révoquer. Mais c'est ça. Monsieur Guédo a fait un rapport. Monsieur Guédo a fait un rapport. Kounia, c'est Algadi dans le rapport. Hein? Parce que, quel que soit Koto Riva avec un rapport, quel que soit Koto Riva avec un rapport sous la terre bénie, il n'y a pas suffit si vous n'avez pas de preuve. Si vous n'avez pas de prouver. Moi, parce que le chat a dit. Organisation de la monde qui gagne, bon, je ne sais pas si vous n'avez pas de preuve.
des associations droit moun à travers le monde Pierre là-dedans et Pierre occupé gros poste là-dedans parce que rapport lui pas jamais département non. Non, parce que pas bon bagage puis loi vérifier pour sur l'autre bagage non. Non, comme on dit là dimanche 12 mais non pas Haïti, c'est ce m'a regardé. C'est pas comme ça qui a passé. Non, non, victime de ça déjà, victime de lui. Une victime de lui, si nous n'avons pas Pierre dans le pays, PHTK a fini avec nous tous déjà. C'est parce que nous avons un haïtien qui a qui a déplacé à parler papa ou pour l'autre bord, aller le Pierre. Qui a dit ça, n'est-ce pas, dit ça, n'est-ce pas, dit dans la réunion avec ça, m'a vivre là, c'est deux bagages différents. Alors, nous campons là, c'est juste pour nous montrer où est toute dérive Pierre Espérance à fond dans le pays. Ou a tout tenté Pierre Espérance à faire dans le pays, donc ça veut dire qu'il y a un bakop, il y a un bois de banane, il y a des monde qui campe avec. Alors comment pour mon à l'aise aujourd'hui on a pour dire pour présenter Pierre Espérance comme un bon monde dans la République. On a qui gon bagaille organisation droit monde, c'est lui même qui chef li depuis là nous connaît. Et monsieur transformé dans parti politique. Monsieur entré dans politique, monsieur entré dans toute bagaille dans pays pendant ce temps, ils sont défenseurs droit monde dans pays. Malgré tout ça qui a passé, moun yo pa gen droit à la santé, droit au logement, même moun yo pa gen droit, moun yo pa gen courant dans pays, pa gen droit, pa gen rien dans pays. Ou pa chame de Pierre Espérance parler de ça, même monsieur plus a parler de cause bandi. Alors qu'on y a pour monsieur faire connait comme si dans l'ouest là ben la t'es capi grave etc. C'est grâce à Pierre Espérance qui fait PHTK pa craser pays. Pendant ce temps nous tout nous connaît Pierre Espérance a pris gros l'argent dans la valasse. Privé t'a pas monsieur gros cob. Et tant que moi même avec on pas comprendre rien. Et tant que moi avons nous pas connait rien dans ça qui passe dans politique pays là. Nous c'est des monde qui fait venir donc donne qu'à toi faire nous leçon, donne qu'à toi pas prendre nous comment la politique fait en Haïti. Gros cause. OK, et pendant ce temps, rapport a sorti mais là monsieur dit Pierre Espérance c'est celui-là ici qui est rentré aux États-Unis à parler pour nous ou bien bah écoutez, m'pa connais pas quelle magie, m'pa connais qui ça monsieur utiliser pour monsieur prendre cœur blanc dans niveau ça. Mais le jour où blanc découvre Pierre Espérance son fauteur de trouble terrier, son fausseur monsieur, le jour où blanc découvre ça Pierre Espérance même quoi de lui qu'apprend. Le jour où blanc découvre Pierre Espérance c'est dans Airwell tap traîner Pierre Espérance pas jamais en faveur de la population haïtienne non vrai mon connaît monsieur même code li qu'apprend mais qui était au continuer faire lobby en faveur Pierre Espérance non parce que moi même ensemble avec vous mesdames messieurs nous tout nous ouais ça qui passé yo nous tout nous comprenons action yo nous tout nous comprenons action qu'a posé là c'est pas jamais action qui visait pour mettre pays à son bon rail vrai mais c'est plutôt pour déstabiliser action Pierre Espérance a fait c'est action pour déstabiliser pays à. D'ailleurs, si pays a souraille, comment on va faire de ces rapports comme organisation de la monde? Comment on va faire de ces rapports? Si pays a une sécurité, Pierre Espérance pas gagner, non pour l'écrit. Monsieur Sénèque qui a toujours aimé pour payer dans l'instabilité tout le temps. Et puis, quand il y a bon monde, on va comprendre si ce n'est pas Pierre Espérance, il y a des cas graves dans le pays. Il n'y a pas grave l'argent lié. Malgré qu'il a identifié Pierre ensemble avec une organisation criminelle dans le pays, les 4 par 4. La justice pas jamais dit rien sur ça. Tout le monde perd Pierre Espérance. Et passez y nous si ouais, donne qu'à toi parler comme ça, c'est pour Pierre Espérance pas sortir rapport contre lui. C'est pour Pierre Espérance pas sortir rapport à l'encontre de lui-même. Ou qu'à saisir ouais pour ça, nous sommes parler comme ça. Nous sommes très élogieux à l'égard de Pierre Espérance. Je vais pas égaré. La branche chital. Est-ce que vous comprenez moi? Parce que Pierre Espérance c'est garder le garde seulement et puis tout le produit un rapport contre tout. Donc sénateur donne qu'à toi, sénateur pour pouvoir monsieur t'a parlé en faveur au Montakou et Pierre Espérance côté monde qui t'a parlé que t'a dit Muscadin sont innocents touyer comme quoi mauvais lait pas ton mauvais monde mauvais lait sont bon monde sont citoyens honnêtes qui gain sont citoyens qui gain bonne vie et mieux dans le pays côté monde ça même moi faire une vidéo côté la police mette main sur deux nèg ça yo te fait partie de même réseau ensemble avec mauvais lait. Et en pile moun canapé avec te commencer critiquer Muscadin actuellement là y a bay Muscadin raison parce que Muscadin pas de faire mauvais coup. Vous comprenez? Muscadin pas de faire fly ouais. Contrairement à ça en pile moun a fait connait oh Muscadin fait fly les gars sont innocents lié. Mais moi il faut attendre innocent. Moi il faut attendre témoignages on sait de moun qui était dans même clan dans même groupe ensemble avec innocent mauvais lait. Et ou même ou va juger est-ce que monsieur était innocent vrai?
Ou pral juger ou même, est-ce que monsieur mal mouri comme tout le monde dit non, Muscadet pas de tuer, et moi genèk sur les oies qui dit, faut Muscadet baye cadavre là, son innocent tombé. Entendez ensemble, mesdames, messieurs. C'est dit, la voie, pour me voir, c'est bien, maman, une dame qui a occupé là-bas, avec un partenaire, dans le même côté avec la dehors, nous étions ensemble. Mais c'est au monde ne pas jamais résistance. On a dit d'amener un corps pour le voyer voler. Là, c'est dit, voyez ça. Elle aime bien voyer ça. C'est dit, mais ça vous dit, elle aime bien voyer ça. Me dit, bah, on a baillé ça. On a dit, non, bah, doit le pivot, Mais ça, Je suis là, je vis. Même pas mon frangin, je me mets dehors pour me libérer. Mais tu dis qui sont? Frangin pour libérer, ça me sert. Comme si tu disais, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, et après, je me suis dit. Vous ne pouvez pas parler là? Vraiment. Je ne peux pas parler avec grand monde, de votre monde qui est sur nous. Vous savez, je me fais le passe pour mes dos. Oui. Vous ne pouvez pas parler là? De côté, vous ne pouvez pas parler. Et ça. En tout cas, mon chéri, je commence à me faire la yourette, par la formale. En tant qu'on responsable de notre monde, c'est un gardou. C'est mon gardou, monsieur et tout. C'est mon cadre de M. et tout. Nous-mêmes, nous l'avons vu. La preuve, l'État fait du voir comme ça. Nous-mêmes, nous l'avons fait. Mais comme nous l'avons fait, Monsieur Samba, mais la police liée. Là, c'est le policier qui a questionné monsieur et monsieur a avoué. Monsieur a avoué Zakli, Krimni, monsieur a avoué participation, monsieur a avoué collaboration ensemble avec Bandi Dédé. Ça nous les mauvais l'air. Tendez bien. On continue. Question de nous interroger, l'attente suivant, contre le monsieur certain, nous-mêmes, nous avons besoin dans le dossier. On va faire plein. Vous avez commencé, mais pas capable. Deux jours, monsieur est à tout le monde. Et monsieur est à tout le monde, c'est même tout le monde. Même pas vous dans, vous ne pouvez pas vous dire, c'est même suivant en bas là. Quand vous attendez ces jeunes vous faites ce bio, vous pouvez aller dans le commissariat, vous faites ce bio, vous pouvez aller pas descendre, on ne va pas aller. Dans quel contexte, vous ne pouvez pas aller comme dans quel contexte, dans quelle occasion, vous avez choisi, vous pouvez voice, par un monde qui est kidnappé, qui mourit, un monde qui est qui mourit. Yo ba on premier télescope déjà pour nous bon voice pour dire nous ou là comment ou là ou vivant pour dégager pour voir le scope là sous des conséquences pour dire pour dégager pour voir le scope là pour qu'on dise ça pas fait là attendez oui ça qui passe là nèg yo kidnapper moun nan yo touyer moun nan mouri mais gon cob yo te mandé famille pour le bail. Mais d'ordinairement pour famille en bail comme là faut que famille gagne garantie que mon nan vivant. Yo fait monsieur voyon voice comme quoi c'est victime nan pour monsieur dit famille m la oui m poko mouri et puis pour famille ka voye cob là. Et yo même dit c'est cob ça mauvais l'état l'air. Et vous tendez son bon monde. Et ouais, madame ni vin nan radio, madame ni prend la presse. A pransé, a crié, son papa, son frère, son ami, son mari, Muscadet touye pou li, etc. Et pourtant, mesdames, messieurs, mes preuves là, on finit d'en dire. Vous comprenez qui j'en ai? Expliquez ça, devant nous. C'est dit, la voie, pour me voir, c'est bien, maman, une dame qui a occupé là-bas, avec un partenaire, dans le même. Quand tu avais la dehors, nous étions ensemble.
Mais au monde ne va jamais résister. On a dit d'amener un corps pour le voyer voler. Là, je dis, voyez ça. Et là, voyez ça. Je dis, mais ça vous dit, voyez ça. Je dis, bah, on a baillé ça. On a dit, non, bah, il doit le pire. Sorti dans voyez ça. Mais ça, je dis, et si Pierre va mourir, si Pierre va mourir, non. Je ne suis pas vivre, je ne suis pas vivre, je ne suis pas vivre. Est-ce que nous entendons bien? Donc, les gens qui t'a fait commentaire devant eux, les gens qui t'a fait commentaire, t'a calonné Muscadin, je pense que je dis là, nous avons preuve dans les mains. Nous avons tout causé dans les mains, nous avons une possibilité pour que sinon, c'est les gens qui ont demandé excuse. Avec position que nous avons gagné à l'encontre de Jean-Ernest Muscadin. Il va nous dire en République Dominicaine, bah, elle a continué à chauffer. Dominique a manifesté vendredi, qui se passe là, vendredi 27 là. Il a manifesté dans la capitale là, qui c'est Santo Domingo, devant Palais directement pour demander au président Luis Abinader pour déporter tout Haïtien qui vit en République Dominicaine parce que il n'a pas qu'à continuer à supporter Haïtien qui vit en République Dominicaine actuellement là. Donc, son situation tête chargée, difficile, mesdames, messieurs, malencontreuse qui vient là en République Dominicaine côté que Haïtien ou même y a subi une série de mauvais traitements. Et bon invite au ouais, comment ça a été côté peuple dominicain ou même il a manifesté contre présence Haïtien en République Dominicaine. Nous invitons à suivre. Voilà, donc on regarde là, il y a en pile, son full monde, son masse monde qui a manifesté, qui a demandé président dominicain pour mettre Haïtien au dehors dans le pays. Donc il y a pas qu'à continuer supporter présence Haïtien en République Dominicaine. Et en passant pendant mouvement ça a fait qui te nous dit Luis Abinader monsieur nommé on l'autre directeur immigration. Monsieur nommé on l'autre monde dans tête immigration. Et c'est lui-même qui va mener toute opération migratoire. Et nous connaissons la République Dominicaine qui a plus passé un an depuis interdit et question visa pour Haïtiens. La République Dominicaine pas livré visa à Haïtiens encore. Ils ont fermé espace pour Haïtiens checker. Ils ont fermé rapport diplomatique qui dégainent. Ils ont même ensemble avec des Haïtiens. Ils ont coupé ça net. Donc depuis quelques temps. Son situation comme ça, mesdames, messieurs, qui a régné en République Dominicaine. Et Luis Abinader, l'a opposé, monsieur, question, monsieur, dit, pourquoi on a un dossier Haïti, même si on parle de dossier Haïti, actuellement, là, c'est avec Venezuela, c'est ça qui est intéressant, parce que, gon litige, gon clash, lui-même, ensemble avec Venezuela, et Venezuela a coupé rapport diplomatique qui dégait, lui-même, ensemble avec la République Dominicaine, depuis après élection Nicolas Maduro, et côté Nicolas Maduro, c'est lui-même qui réélu, Luis Abinader, campé, lui crié au scandale, lui dit, élection, il a mal passé, parce que c'est pas Maduro, il te souhaité prendre pouvoir, mais Nicolas Maduro lui-même fâché, il coupe rapport diplomatique qui te gagne lui-même avec la République Dominicaine, il coupe les ponts, il pas fourni la République Dominicaine gaz encore, donc ça vient de mettre la République Dominicaine dans une situation difficile. Luis Abinader dit actuellement là, c'est sous dossier Venezuela lié, mais il n'est pas dans dossier et Haïti, dossier Haïti pas intéressé dans ce moment là. Donc, mesdames, messieurs, plusieurs Dominicains ont pris la rue pour manifester contre présence haïtienne. Qui vivent en République Dominicaine. Bon, quand on parle, qui te nous dit, Dominique Dupuy lui-même, lui, qui est entré dans le pays, qui a parlé de la situation qui est là en République Dominicaine avec Haïtien, il t'a porté précision également sur ça qui gagnait, sur l'incidence diplomatique qui est passée côté on Montaku et Leslie Voltaire qui était interdit pour te rentrer dans un compte qui était gagné là dans Edgar Leblanc qui était gagné. Et Ignacio Lula da Silva, qui est président du Brésil, là, t'es un paquet l'autre haut dignitaire à travers le monde qui était là. Donc, Dominique Dupuy, il tente de porter des précisions. Nous invitons à suivre l'intervention. La délégation haïtienne, présidée par Son Excellence le président du Conseil et présidentiel de transition, Edgar Leblanc, et t'es toujours gagné un agenda complémentaire entre participation présidentielle, là, participation premier ministre là, et participation ministre affaires étrangères. Là. Correct. Schéma ça, pas un schéma qui est unique à Haïti. Il y a une pile délégation que nous croisons qui a même schéma, côté soit en président, soit en roi là, accompagné de premier ministre, accompagné de ministre affaires étrangères, et accompagné de toutes sortes de techniciens, experts et diplomates dans la délégation pour prendre part à la commission. Yo.
Ça t'est clair depuis le début, c'est comme ça que nous-mêmes comme ministère Affaires étrangères nous t'ai communiqué le bas Nations Unies, c'est pour ça accréditation était faite en fonction de communication ça. Badge président Leblanc t'est paré en même temps badge tout le monde comme chef de délégation. Okay. Premier ministre là avant de quitter territoire là t'ai circulé en note, on communiqué côté que l'était annoncé que l'a quitté pays hein, pour participer dans l'assemblée générale là dans cadre d'une délégation qui présidait par son excellence Edgar Leblanc. Donc pas jamais gain confusion sur format ni sur cohérence et participation haïtienne. Agenda participation est bâti à travers compilation et agenda respectif yo que MAE vient joindre. MAE circule agenda sa abattoir entité yo lui-même MAE primature avec et présidence et tout le monde était d'accord sur tâche répartition des tâches que chaque parti te gagne. Je nous connais là. Donc tu as une coordination entre la primature et la présidence. Tout à fait, et nous, la mission permanente. Non seulement premier ministre l'a rencontré avec président avant les partis pour regarder agenda respectif comme un complémentaire. Correct. Deuxièmement, tu as une cellule qui travaille sous et aspect logistique là qui réunit dans villa d'accueil avec une représentation MAE, une représentation primature et ambassadeur et Haïti à l'ONU t'es même voyagé dans quatre déclarations patrimoine li vinn fè nous arrangé nous pour li voyager en vent pour li font réunion physiquement dans villa d'accueil en présence chef cabinet la présidence en présence conseiller diplomatique président Leblanc en présence responsable institution et international MAE en présence primature donc coordination a été faite de façon harmonieuse par toutes les parties concernées c'est sa vérité aïe mais effectivement Esaïe vinn gen on hic si m'ka di le comme ça mais hic là et m'pense que faut nous kembe nous regard nous sous et vrai interlocuteur là hic là sorti sous parti américaine là et m'a tout salué ambassadeur américain en Haïti hein qui rapidement réagit et qui font communication publique à travers un tweet qui reconnaît que tout tolan sorti sous bon pa yo ça m'ka partager avec nous c'est que nan délégation qui fait là ou après marqué que tu gagne deux moun qui utilisait titre présidentiel là, c'est-à-dire qu'au gain président Leblanc et au gain président Voltaire qui participait dans délégation. Là nous même nous communiquer information ça. Est-ce que le nom de Voltaire, monsieur Voltaire était déjà là avant même? Dans communication que nous voyons le 5 septembre, non, il était déjà là dedans. Okay. Et ça qui vient réaliser hein, c'est que américain vient expliquer nous après parce que là nous confronté à problème nous pas gain sociaux parce que comme ministère affaires étrangères, nous en communication avec département d'État, OK? Yeah. Et avec et des structures autonomes. Secret service lui-même l'a agi de façon autonome quant à courtoisie que lui doit accorder à chef délégation yo avec et toute membre délégation qui ont certain niveau tant que premier ministre là. Dans certains cas ministre affaires étrangères là bénéficié tout de détails secret service là. Nous-même nous pas fait demande pour lui parce que nous étions conscients que nous étions en grande délégation, nous pas pensé l'idée nécessaire, nous tape toujours soit avec président soit avec premier ministre là, nous pas besoin autonome. Donc nous pas demandé pour moi-même, nous demandé automatiquement pour le chef de délégation et yo estimé que premier ministre là était doit bénéficier de lui aussi parce que c'est une personnalité de haut niveau. Correct. OK. Ça crivé communication allé yo vinn apprend nous que système yo vinn pas ka comprendre structure exécutif pas nous côté yo gen deux présidents donc système nan c'est pas un monde ka opérer li c'est un bagage c'est un logiciel peut-être que yo gen yo seulement exit li donc yo obligé vinn faire une intervention manuelle suite à connaissance que yo vinn gen de problème nan pour que yo expliquer que non c'est pas un problème li gen son structure unique que nous gen nous-mêmes que États-Unis reconnaît, que États-Unis appuie, et donc que États-Unis doit accommoder. Mais toute manœuvre ça prend temps, ce sont des manœuvres diplomatiques que nous impliquons là-dedans comme partie haïtienne, mais que les Américains prennent vraiment au sérieux, et c'est eux-mêmes qui viennent permettre dans le territoire PAYO que le résultat a débouché sur non seulement un mea culpa public, mais sur une mise à disposition de toute courtoisie que ont toujours voulu accorder le président Leblanc et que les bénéficiaient de eux. Okay. Voilà, mesdames, messieurs, vous attendez toute précision, Dominique Dupuis Tabaye, par rapport avec l'incidence diplomatique. Ça nous déclare l'incidence diplomatique qui arrive. Côté que, mesdames, messieurs, et te gen tout arrangement qui était fait vraiment, mais c'est bon côté États-Unis, problème dans tes sorties, mais ce n'est pas vraiment côté haïtien. Mais vous attendez, n'a parlé de coup d'État, Hadje, coup d'État, etc. Comprendre, coup d'État diplomatique, Leslie Voltaire. On dirait ça parce que même Leslie Voltaire pas comprendre exactement qui s'est passé. Mais on a ça qui vient à voir ensemble avec papier ou bien document
haïtien ta doit gagner en République dominicaine. Dominique Dupuis encore une fois, li te parlé, il te porté des précisions, nous invitons à suivre. Problème et déportation massive et dans conditions inhumaines et des haïtiens en République dominicaine. La République dominicaine pardon comme état souverain, li libre pour li appliquer politique migratoire qui propre à li ça, pas de problème à ça. Mais cependant dans façon que a déporté haïtien yo, est-ce que MAV ou bien ministère affaires étrangères plutôt pas ta capable de développer et ta capacité de signer un accord d'arrêt qui fait déjà et pour empêcher que haïtiens yo déporté yo dans conditions ça des conditions inhumaines indignes et nous avons conclu avec tournée nous pas ouais que et pour ma part nous font paris qui sont paris que nous pas prêter silencieux sous traitement que haïtiens subit qui indigne quel que soit côté ou taillé mais pour que nous portons solution dans territoire souverain qui pas nous ça mandé construction dialogue et mécanisme diplomatique et m'a mandé nous seulement pour que nous comprenions que tout mécanisme ça yo pas qu'a fait de façon visible à chaque étape mais que son effort et son engagement continu que le premier ministre lui-même prend que nous sentis à travers CPT en tout et que moi-même m'a mené tous les jours mon correspondance et quotidienne avec chargé d'affaires nous en Santo Domingo si gon mission côté mon connaît ça qu'a fait chaque heure de temps ces missions ça nous en dialogue permanent moi j'ai une conscience absolue de urgence que nous gagne pour agir particulièrement sous ça on a parlé de déportation mais étudiant et tout et me fier pour me dire nous tout que malgré m'paka dans un premier temps ben nous détail sur étape par étape qu'a développé a nous pral ouais en amélioration sous ca étudiant yo et nous pral certainement ouais en amélioration sous bon pas nous sous capacité que nous pral déployer à travers cette mission diplomatique que nous gagne l'autre bois parce que en van nous mandé yo faire plus bien faut nous même tout nous commencer faire plus bien côté nous y tout et travail ça l'a fait on connaît que leur gagne urgence chaque jour son jour de trop mais son dossier aussi sensible historiquement ouais. C'est pas moi même qui fait le compliqué pas mon enfant qui fait le compliqué c'est depuis la nuit son dossier extrêmement compliqué et il est difficile de dire que tout va bien que tout va aller bien mais ça me ca dit nous et me pas jamais dit l'envant ça me ca dit nous c'est que pral gain des améliorations parce que pral gain des prédispositions des deux parties pour que ça allait mieux parce que là son scénario perdant correct OK. Voilà, mesdames, messieurs, Dominique Dupuis qui t'a porté des précisions, surtout dans ça qui gagne ouais, ensemble avec haïtien qui t'a donné papier yo, en République Dominicaine qui est dans une situation difficile, situation irrégulière. Actuellement, on a un grand haïtien légal en République Dominicaine, quel que soit mon nom, ou pas légal. Et la République Dominicaine a arrangé le même bouc que la situation, ça, pour le scénario, ça arrive comme ça même. Il n'y a pas bon visa. Malgré que tu as fait demande, on ne peut pas gagner parce que tu n'as pas ouvert l'espace pour t'ajouter pour faire demande visa. Donc, tout haïtien illégal. C'est comme ça lié. Et c'est voulu de la part des Dominicains, ils font exactement comme ça. Peut-être pour humilier ou peut-être pour montrer, rapport diplomatique entre nous-mêmes avec Haïti, ça ne rime à rien, etc. Et d'ailleurs, monsieur dit lui-même, ça qui intéresse de nos jours, ça qui est important pour lui, ça qui prime pour lui ces derniers jours, c'est le dossier Venezuela. Donc, il n'y a pas besoin de gagner causer haïtien dans le dossier. Qui doit nous dire qu'il y a environ 60 diplomates ou bien 60 parlementaires américains qui ont écrit Joe Biden. Ils ont dit Joe Biden, mon cher. Dans ça qui est là en Haïti, nous les Américains nous coupables. Ils dit nous coupables dans ça qui est là. Parce que l'insécurité qui est là en Haïti, nous même Américains nous contribuons là-dedans, dans les âmes qui sont en Haïti, et les âmes c'est là qui nous sorti. Environ 60. Ils ont écrit Joe Biden, ils ont dit, premier bagage qui vous faites, c'est sous cela pour vous bloquer. En imaginez, les Américains ne vendent pas nos âmes. Parce que nous sommes en bas gros. Donc, dans le bon principe, Haïti sous embargo zam. L'État pas acheté zam. Mais pendant ce temps, pile zam qui n'a mis bandit, qui côté sorti États-Unis. Et non seulement États-Unis pas vle vendre nous zam parce qu'ils mettent sous embargo, mais ils interdit un paquet de pays dans le monde là pour pas vendre nous zam non plus. Mais drôlement, l'on regarde zam qui n'a mis bandit, le bandit a exhibé pile zam qui n'a mis, l'on regarde initial, l'on regarde et drapeau qui soulise et drapeau États-Unis. Donc zam ça est sorti exactement. Aux États-Unis, mesdames, messieurs, c'est juste pour nous faire comprendre, pour nous dire, mais à qui niveau, États-Unis, même la crasé pays, il y a même un paquet de parlementaires qui sont conscients de ça, un paquet d'Américains qui sont conscients de ça, et ils ont demandé au président américain Joe Biden pour le camper sous dossier ça,
parce que Haïti pas doit continuer à plonger dans situation pareille. Merci tout le monde d'être content ensemble avec nous. Nous avons plaisir de présenter l'émission ça comme de manière coutumière. Chaque fois nous avons l'occasion pour nous parler, pour nous présenter l'émission. On a toujours fait ça avec joie. Jeudi, c'est lundi 30 septembre 2024. Demain, c'est 1er octobre. On a profité d'y un heureux anniversaire avec tout le monde qui fête dans le mois d'octobre et le monde qui te fête en septembre. Tout nous souhaiter une bonne fête. Septembre est fini. Il y a monde qui a fêté aujourd'hui là même. Nous saluons tout le monde et nous espérons vous pourrez passer une bonne fête de fin d'année parce que depuis le 20 octobre ou déjà dans fin d'année. Donc, moi, en BRE, déjà, commencé, qui a peine fini là, qui c'est septembre là, tout mois BRE, septembre, octobre, novembre, décembre, qu'on moi, ça, on te rappelle des pensions. Et bien ça, moi en BRE, on est avec toutes les dépenses, parce que c'est bon, moi tête chargée, c'est dans la fin d'année, donc un paquet de dépenses qui est exposé, qui est exigeant, qui est obligatoire même, qui n'est pas même capable de passer outre de vous. Merci tout le monde d'être ensemble avec nous. Merci parce que vous êtes like, merci parce que vous êtes commenté, merci parce que vous êtes partagé, merci parce que vous êtes partagé l'émission avec un autre ami, ou te permettre à ce que vous autre ami qui t'est connecté, qui te connaît exactement, mais ça va passer, mais comment situation sociopolitique, crise pays à lui-même, li a circulé. Bye bye tout le monde, n'a pas croisé Pita, rendez-vous Pita, 4h30, boule, non live, nous chapitre.